en tout cas dans l'islam politique des pays d'origine, et tout ça donne aujourd'hui la configuration pluriforme de ces pratiques de l'islam. Et donc les jeunes aujourd'hui, vous ajoutez à ça aussi le phénomène internet et du self-islam un peu, c'est-à-dire de ces jeunes qui ont des théologiens ou des télécoranistes, comme on disait à une époque, via internet, et vous avez donc finalement une pratique de la théologie musulmane et une manifestation de l'islam public très diverse. Et ça, effectivement, ça peut être très dérangeant pour des Français de souche qui n'ont pas vu arriver le phénomène parce qu'ils étaient habitués à voir ces communautés, on va dire, parquées dans les grands ensembles urbains, qui étaient plutôt des manifestations à la fois urbaines, sociales, voire sur les problèmes de délinquance, avec plutôt nos pères qui étaient assez tranquilles et qui étaient l'image de l'ouvrier maghrébin classique. C'était l'image dominante jusqu'alors. Mais les médias ont joué aussi un rôle pernicieux dans ça. Et je vous rappelle effectivement qu'à cette époque, dès le début des années 80 et la mise en place du regroupement familial, et que les premiers projets, on va dire, d'apparition de mosquées, ce qui était aussi un signe de sédentarisation, parce qu'à partir du moment où nos pères et nous-mêmes restions ici, eh bien les lieux de culte, il fallait bien les aménager. Eh bien à cette époque, vous avez par exemple, dès le début, et ça résume assez bien la situation actuelle de 30 ans après, c'est que vous avez des autorités politiques qui jouent un rôle très pernicieux. Vous avez une gauche qui est très antiraciste et qui est migrationniste, donc vous avez le PS qui a bien sûr toujours défendu l'immigration massive, etc. Et vous avez ce même force politique et médiatique qui, tout en défendant l'immigré, voire même le sans-papier, sont en même temps en train de façon très pernicieuse, de distiller dans l'espace public une forme d'islamophobie, en tout cas de refus de l'islam, ou de présentation de l'islam comme étant dangereuse. Je vous donne l'exemple, en 1981, à l'époque, Pierre Mauroy est Premier ministre, donc c'est la gauche, qui est censée être l'ami des immigrés et qui finalement va démarrer sa ligne antiraciste pour cacher son échec social. Et vous avez donc une grève de Peugeot Talbot, donc sur la région parisienne, à Poissy. Et nous avons à l'époque des parents, donc nos pères, qui étaient jusqu'alors des ouvriers, qui étaient notamment amenés par le patronat pour aussi servir de casseurs de grève, parce qu'eux n'étaient pas syndiqués, ils ne voyaient pas l'intérêt d'adopter les combats syndicalistes français, parce que ce n'était pas de leur ressort, ils étaient censés retourner chez eux. Et vous avez donc à cette époque une solidarité qui se crée dans les usines de Poissy, chez Talbot, Peugeot, où vous avez donc ces vieux immigrés qui s'associent avec les syndicalistes français pour revendiquer des droits. Et donc là, on a aussi une forme finalement de francisation quelque part des mentalités de ces immigrés, puisqu'ils adoptent une attitude syndicale qui n'est pas quelque chose de traditionnel chez eux, dans leur espace culturel d'origine. Et là, vous avez Pierre Mauroy qui dit « Ces grèves insensées, c'est incroyable, ces grèves à Poissy, ce sont les ayatollahs de... » Parce qu'en 79, nous avions la révolution iranienne, et donc on est en 81. Et là, donc, vous aviez Pierre Mauroy qui dit « Ce sont les ayatollahs qui sont derrière. » Donc, c'est-à-dire que dès le départ, vous avez des autorités politiques qui font ce mélange très dangereux, à la fois d'un immigrationnisme officiel que vous n'avez pas le droit de contester, alors que c'est cet immigrationnisme qui explique la visibilité de l'islam, parce que l'immigré est aussi le musulman. Mais en même temps, vous avez un discours qui prépare les mentalités publiques à une forme d'islamophobie médiatique et politique pour dire que le problème, c'est l'islam. Mais c'est contradictoire, puisque s'il y a de l'islam, c'est parce qu'il y a des immigrés. Donc si on ne veut pas de visibilité de l'islam, il ne fallait pas ramener ces immigrés, ou en tout cas les maintenir par le regroupement familial. Et finalement, ce double discours très pernicieux des autorités publiques, et donc médiatiques, politiques, vous le constatez que depuis 35 ans, il s'est construit de façon insidieuse, avec l'appui même de la législation, plus les différentes lois dites anti-foulard, etc. Tout ce débat politico-médiatique et juridique impose dans l'espace français un malaise très profond, effectivement, sur le plan du discours et sur le plan des rapports sociaux sur la question islamique, mais élude complètement la problématique de l'immigration. Et moi, mon défi, effectivement, c'est de sortir ce débat au sein des communautés musulmanes de France en disant, en tant que musulmans, issus de l'histoire migratoire française récente, nous sommes les plus légitimes pour ouvrir le débat et dire que pour l'avenir de la France, pour l'avenir de la stabilité sociale et économique, sur le plan économique et même sur le plan théologique, et pour la possibilité de promouvoir demain une théologie française, une théologie musulmane française en adéquation avec le contexte culturel, nous devons nous positionner sur la question de l'immigration et considérer qu'aujourd'hui elle n'est plus pertinente et qu'il faut pouvoir assumer l'idée de dire que l'immigration aujourd'hui, il faut pouvoir l'arrêter, la stopper, en faire un moratoire, faire un référendum sur le sujet et remigrer même un certain nombre de flux pour pouvoir stabiliser les rapports entre les communautés et penser notre sédentarisation définitive.
Ah d'accord, parce que justement sur le chat, on nous parle de cette idée de remigration et on nous demande ce que vous en Oui. pensiez. Ouais. Ah C'était oui, une tout à idée. fait. Moi, je pense. Oui, moi, je pense qu'il y a ce que dans toutes les sociétés du monde, il y a ce qu'on appelle un optimum de diversité. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de société qui considère que son homogénéité culturelle n'est pas défendable ou qu'elle n'est pas essentielle. Toutes les sociétés du monde ont besoin d'une homogénéité culturelle majoritaire, de préserver le lien avec la terre, le lien entre le territoire et la culture, de préserver des fondamentaux, et que effectivement, il peut exister, genre en Égypte, il existe des populations issues d'Afrique noire, des Somaliens, etc. Mais dans des quartiers populaires, quand effectivement ça atteint un optimum qui est dépassé, ça crée des tensions culturelles. Donc nous avons besoin aujourd'hui en France, effectivement, de repenser la question de l'immigration et de repenser les termes de l'immigration, c'est-à-dire de dire qu'il nous faut un optimum à atteindre et un optimum de diversité, parce que trop de diversité tue l'homogénéité, et que si on veut faire survivre le génie français, il faut pouvoir préserver ben, finalement ce qui est son réacteur nucléaire. Nucléique initiale, à savoir la communauté française entre guillemets de souche et qui est porteuse de cette tradition, et que pour les minorités issues de l'immigration, on peut tout à fait envisager qu'il y ait une minorité qui conserve ses traditions, ses cultures parce qu'ils sont de passage, parce qu'ils sont résidents, etc. Donc ça, c'est à discuter, mais qu'elle doit rester effectivement minoritaire, parce que si elle n'est pas minoritaire, voire ultra-minoritaire, on arrive à des tensions très très graves. Donc la question de la remigration, bien sûr, se pose. La question de l'immigration clandestine est un vrai problème. La question de l'immigration tout court. Aujourd'hui, les premières victimes de l'immigration massive et du dumping social qui en découle, c'est-à-dire la concurrence sur les salaires, ce sont les populations issues de l'immigration. Si vous allez aujourd'hui en banlieue parisienne, vous voyez que les Maghrébins actuels, qui sont de la quatrième génération, qui sont donc plus anciens, on va dire, que les Noirs africains, par exemple, pour certaines communautés, aujourd'hui se comportent vis-à-vis des Noirs africains récents, primo-migrants, comme pouvaient se comporter les Français dans les années 60. À savoir que ben, ces Maghrébins, ils sont installés, ils ont un capital culturel plus élaboré que celui des Africains ou des Noirs africains récents. Et donc, il y a effectivement une différence de rang social, une différence de niveau, une différence d'assimilation culturelle, en tout cas de proximité culturelle avec la souche française, et ça crée des tensions. Donc nécessairement, il va falloir penser le renversement des courants migratoires, mais cela, ça impose aussi une chose, c'est qu'on puisse se libérer, ou en tout cas questionner et remettre en cause les élites dirigeantes dans ce pays qui ont organisé la France-Afrique et le pillage de l'Afrique. Parce que s'il y a aussi de l'immigration, c'est parce qu'en Afrique, il y a un pillage généralisé des grandes multinationales et des élites dirigeantes des pays d'Europe et d'Occident en général. Et ce pillage, effectivement, de l'Afrique fait que ça génère de la pauvreté, ça génère donc nécessairement des flux migratoires, et surtout ça, avec l'amélioration des conditions sanitaires, génère. Ah, je ne sais pas, on a perdu. J'entends plus. Ah, allô, allô. Allô, oui. Là, je crois qu'on l'a perdu. Allô? Ah non, il est là. C'est bon, je pense qu'il est Oui, là. je Allô, suis. Alors, je sais c'est bon. pas. Ça a coupé. Je sais pas où j'étais. Oui, on vous entendait plus juste là, à l'instant. Excusez-moi, moi je ne vous entends pas. Je sais pas si vous m'entendez. Allô? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, moi je vous entends, oui. Allô? On vous Alors, entend? je sais. Oui, je sais pas où j'étais arrivé. Désolé. Oui, ça a coupé justement là, Ok. juste sur ce que vous disiez avant, sur justement le problème par rapport à cette génération-là, quoi. Le problème justement, voilà, elle a du mal à trouver ses repères, elle cherche ses repères. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui? On vous entend. Oui. Oui, ben, vous savez, la question des repères, elle est essentielle. Un individu qui ne peut pas se penser avec un territoire, avec une filiation, avec une histoire, c'est un individu qui est effectivement dans une angoisse et dans une instabilité. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ouais, ok, excusez-moi. Donc, si vous voulez, effectivement, ces générations-là sont dans un trouble identitaire profond, c'est une évidence, parce qu'ils ont reçu un capital culturel qui est comment dirais-je, qui s'appauvrit avec le temps. Leurs parents, nos parents en fait, n'ont pas pensé notre sédentarisation. Ils sont toujours dans le mythe du retour. Donc ils nous ont transmis effectivement un système de valeurs hérité de leur tradition, mais qui est fonctionnel dans une société traditionnelle. Moi, j'ai toujours l'exemple qui me vient à l'esprit. Bon, il est assez marrant, je le dis souvent. Je me souviens quand j'étais petit,
j'étais à la fenêtre en train de parler avec un copain, et j'avais retiré le rideau de la fenêtre de la maison quand on avait déménagé dans une maison plus grande en ville. Et donc après je suis parti, j'ai laissé le rideau bouger. Et quand mon père est rentré, il a dit: qu'est-ce qui a bougé le rideau de la fenêtre? Moi je lui ai dit que c'était moi, et j'ai reçu une baffe comme j'en ai jamais reçu dans ma vie. J'ai vu des étoiles, j'ai pas compris pourquoi. Et mon père était très 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 en colère et il m'a disputé, je comprenais pas pourquoi. Plus tard, en grandissant et en discutant avec le vieux berbère de la ville, ils m'ont expliqué effectivement dans les villages traditionnels, donc dans la zone berbère en Algérie, le fait dans une maison quand il y a une fenêtre avec un rideau qui est décalé, ça sous-entend que donc c'est un signe, c'est un signe traditionnel dans les codes culturels, qui signifie qu'on est face à une maison d'une femme de mauvaise mœurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, ce sont des codes culturels hérités, mais ils ne sont pas fonctionnels dans la société dominante dans laquelle on peut se trouver. Et donc ça crée de l'angoisse et de la culture, ça crée de l'angoisse et de l'appréhension face à une culture héritée dont tous les codes ne sont pas opérationnels. Donc c'est pour ça que nos générations, effectivement, aujourd'hui, sont très en questionnement profond sur ces questions-là, parce qu'ils ont acquis un capital culturel qui ne sera pas entièrement opérationnel, donc qui va s'appauvrir par définition, et en même temps, ça pose la question de communiquer avec l'autre, avec autrui, parce que dans une société, on pense à un avenir commun, on pense à construire une mythologie commune pour le futur. Et c'est très difficile quand on n'a pas les codes. D'où la nécessité de se penser. Vous m'entendez, non? D'où la nécessité de se penser, en tout cas pour les plus anciens, les plus grands comme moi, comme vous peut-être, donc d'un certain âge, se penser de façon transitoire ici en essayant de s'intéresser comme on peut à la culture française, de comprendre ce que c'est que l'identité française, les codes sociaux, etc., pour pouvoir interagir avec les adultes, mais ne pas faire subir cette violence, ou en tout cas ces contradictions profondes qui nous habitent, parfois même des presque névroses, je dirais, ne pas transmettre ça aux enfants, parce qu'un enfant qui grandit dans un territoire, il s'attache à ce territoire, même si c'est du béton. On voit très bien dans les banlieues aujourd'hui, il n'y a rien, il n'y a que du béton. Pourtant, les jeunes sont très très attachés à l'identité urbaine de leur quartier, jusqu'à parfois être en rivalité, à se battre avec les autres, parce que l'être humain, c'est aussi un territoire. Un territoire, il y a une dimension d'attachement au territoire, un espace géographique de défense, etc. Et donc le territoire, c'est important. C'est évident qu'en banlieue, c'est plus difficile qu'à la campagne. Personnellement, moi, j'ai choisi de faire grandir mes enfants à la campagne, parce que le sensoriel, le bruit de la forêt, les odeurs, etc., c'est très important pour pouvoir attacher l'enfant. Mais les premiers souvenirs de l'enfance, le lien avec le territoire se construit dès le jeune âge. Et je pense que nos enfants, effectivement, si on choisit de les faire grandir dans des espaces culturels, on va dire, préservés, ancrés dans la tradition française, ce n'est pas une violence qu'on leur fait subir, mais au contraire, on les dote du meilleur capital qu'ils soient pour que demain, ils puissent se mouvoir dans cette société et pouvoir même assumer leur identité française pour qu'on ne puisse pas demain, quand ils seront adultes, dans une entreprise, dans un cadre social quelconque, leur nier leur appartenance nationale. C'est ça le plus important. Comme aujourd'hui, un Chinois musulman, même dans le régime le plus anti-religieux qui soit, par exemple, sous les communistes ou Mao, par exemple, un Chinois musulman ou même un Russe musulman, on ne pouvait pas lui nier son identité culturelle. On ne pouvait pas dire à un Chinois qu'il n'est pas parce qu'il est musulman. On pourra éventuellement le réprimer, on pourra lui refuser son culte, mais on ne pourra pas considérer que, d'un point de vue culturel et social, il n'appartient pas à la société ou au peuple auquel il est. Nous avons un vrai défi en France, parce que nous avons à la fois un défi majeur, parce qu'on est un peu un cas particulier en France, en Europe, mais aussi la France est une construction historique culturelle, c'est-à-dire qu'elle admet l'idée qu'une partie de sa population puisse être récente et être intégrée et assimilée au corps national. Et ça, c'est la machine française, c'est le génie français. Est-ce qu'il est encore opérationnel? C'est un autre débat. Mais je pense que nous avons cette chance aujourd'hui en France, et les jeunes issus de l'immigration, quelle qu'elle soit, maghrébine, africaine, etc., ont aujourd'hui, et les JURE, je reviens toujours dessus parce que c'est le combat du moment, sont l'occasion de tendre ces ponts et de penser des projets éducatifs, des projets culturels, des projets sociaux, en partenariat avec un certain nombre de Français issus de diverses origines, où l'identité française, le capital culturel français, la langue française, le logiciel français dans sa globalité, soit l'occasion d'être transmis à ses enfants pour les doter du meilleur de ce que la France a pu donner,
tout en leur transmettant les fondamentaux de leur universel islamique qui en fera demain des Français, mais musulmans, de confession musulmane. D'accord. Alors, il y a pas mal de questions aussi, alors, parce que les auditeurs ont plein de questions à poser. Alors, ils sont tous fâchés, ils disent « Oui, on a plein de questions à poser. » Non, je reviendrai vous voir. Voilà, donc il reviendra, parce qu'ils sont tous très très impatients, ils disent oui, il n'y a pas d'interactivité, on veut poser des questions. Ils demandent, alors il y a une question qui revient souvent, on dit on vous voit pas souvent dans les grands médias, hein, un peu comme Kamel Béchik, hein, les Fils de France. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté aussi politique de nous montrer un certain type de représentant de cette communauté musulmane, comme par exemple Hassan Chalgoumi, qui lui occupe l'espace médiatique, hein. Eh ben, si vous voulez, Hassan Chalgoumi, c'est exactement la preuve de la démonstration que j'essaye d'élaborer depuis tout à l'heure, à savoir que des communautés divisées, déstructurées, enfermées dans des cultures en dépréciation, sont incapables de générer des élites légitimes. Quand on a, quand on est une communauté où on a un système dominant capable de choisir un alphabet bilingue comme Chalgoumi et d'en faire finalement le leader, même si on sait qu'il ne représente rien, mais en tout cas sur le plan médiatique, on en fait le leader de la communauté musulmane et qu'on est incapable d'empêcher cela. Qu'ils essayent par exemple de faire la même chose avec les Chinois, c'est-à-dire de chalgoumiser un Chinois et d'en faire un leader des Chinois de France. Ils n'y arriveront pas parce que les Chinois sont capables de générer des élites légitimes et de protéger leurs intérêts communautaires. Nous, on va dire globalement les communautés musulmanes issues de l'immigration, sommes incapables effectivement d'assurer, d'avoir des représentants légitimes et donc a fortiori d'avoir accès aux médias. Et donc finalement, la solution, c'est en devenant finalement des Français de confession musulmane, sur le plan culturel, on va dire, capables de se mouvoir dans l'entité française globale sans heurts et sans choc, on serait capable effectivement à terme d'avoir naturellement, comme pour les protestants, comme pour les bouddhistes, comme même, je dirais, pour les végétariens, même d'ailleurs pour les gays aujourd'hui, j'aime pas trop le système de lobby, mais en tout cas d'avoir émergé en son sein une élite intellectuelle et politique qui, quand on entend Christine Boutin par exemple, on voit un des représentants, on va dire sur le plan politique en tout cas, d'une frange chrétienne de la population française qui a priori une certaine légitimité, et on peut multiplier les exemples. Notre problématique aujourd'hui, c'est que rester dans la division culturelle et dans les identitarismes collectifs, les Marocains, les Algériens, les Sénégalais, les Comoriens, etc., c'est renforcer donc la possibilité de contrôler et de dominer ces minorités culturelles. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier qu'en ce qui concerne les communautés musulmanes de France, c'est qu'elles ont encore un lien très profond avec les pays d'origine, donc la soumission aux autorités d'origine. Et donc aujourd'hui, Chalgoumi explique totalement l'incapacité totale et le caractère infédérable de ces communautés musulmanes, du fait même que leur identité collective est leur première faiblesse et leur premier talon d'Achille. On nous demande comment on peut faire en sorte pour casser les instrumentalisations ciblant les musulmans. C'est Cyrine 38. On ne peut pas les casser, les instrumentalisations, parce qu'elles ne sont qu'une conséquence. C'est-à-dire que s'il y a instrumentalisation, c'est parce qu'il y a tout simplement, comme quand il y a colonisation, il y a colonisabilité. Donc s'il y a instrumentalisation, c'est que les conditions sont réunies et permettent à des élites dirigeantes d'instrumentaliser facilement. Donc la solution, c'est pour ça que l'idée d'une francisation des enfants, ou en tout cas d'un véritable projet de socialisation contrôlée des enfants et d'une assimilation culturelle qui est choisie volontaire, c'est finalement faire des musulmans des Français comme les autres. Et à partir du moment où on les dilue sur le plan culturel pour les faire appartenir au peuple de France et en faire tout simplement des Français comme les autres, les enjeux de domination et de contrôle n'existent plus. Puisqu'il y a enjeu quand il y a effectivement communauté organisée, quand il y a identité collective, quand il y a pays d'origine, quand il y a des enjeux qui nous dépassent et qui sont quasiment internationaux aujourd'hui. Et si effectivement les musulmans deviennent des Français comme les autres, ils seront capables de générer leurs propres élites légitimes. Et aujourd'hui, si on veut, je prends des identités collectives un peu moins importantes. Si je prends, par exemple, les motards ou les végétariens, il y a des Français qui se retrouvent sur des hobbies, des loisirs.
ce ne sont pas des systèmes de d'identité qui sont complexes, parce que là on parle quand même, quand on parle des musulmans ou je sais pas, ou des juifs ou des bouddhistes, on parle quand même de communautés avec toute la complexité que ça représente, avec des classes sociales différentes, etc. Et on prend comme simple dénominateur commun à la fois, mais d'autres communautés, si on prend de simples critères alimentaires par exemple, sont capables de générer leurs propres élites intellectuelles et de représentation, parce que c'est des systèmes c'est des systèmes pour générer des élites qui sont des systèmes classiques, voilà, où bien sûr celui qui a travaillé sur un sujet en devient spécialiste, etc. Mais aujourd'hui, en ce qui concerne effectivement les musulmans de France, l'instrumentalisation, qu'elle soit des élites dirigeantes politiques ici en France, de certains lobbies en France, voire même des puissances étrangères, puisqu'aujourd'hui vous avez des communautés qui sont complètement liées avec les appareils d'État étrangers, ça existera tant que les communautés elles-mêmes existeront. Alors, il y a eu une déchristianisation en France en plus. Et justement... Je disais, en France, il y a eu une déchristianisation. Et aujourd'hui, on voit que la religion catholique est attaquée au même titre que la religion musulmane. Est-ce que la République en son sein, comme l'a déclaré Vincent Peillon, qui prétend que la laïcité est une religion, et bien la République donc porte dans ce logiciel cette attaque contre les religions finalement? Alors oui, effectivement, là c'est tout le travail d'un mot qu'on n'aime pas beaucoup, mais finalement qui est normal, c'est-à-dire la question du révisionnisme de l'histoire officielle, des mythologies officielles. Effectivement, on a un certain nombre d'historiens, notamment Marion Sigaud par exemple, puisque vous me parlez de la République, qui a travaillé sur ces questions-là. Et c'est toute la problématique du cadre politique qui nous est imposé. Nous sommes dans un cadre républicain, donc on l'accepte parce qu'on y est soumis, mais on peut aussi le critiquer, on a le droit de le critiquer. Et quand on relit l'histoire autrement que dans la mythologie officielle, on réalise qu'effectivement la République s'est construite contre la société traditionnelle, contre l'autorité effectivement du roi, l'autorité de l'Église, et que depuis les Lumières, le système le système de défense de la monarchie la monarchie absolue et de l'organisation, donc l'Ancien Régime, est arrivé à un tel niveau de faiblesse qu'effectivement les attaques sur le plan, on va dire, du dogme par rapport à l'Église, sur le plan du pouvoir politique à travers les questions constitutionnelles, les questions de démocratie, etc., on fait que on est arrivé à un système qui s'est écroulé, qui a été remplacé par ce qu'on appelait effectivement la République, qui n'est pas achevé dans sa révolution, comme le dit Peillon lui-même. D'ailleurs, dès le début, il y a eu plusieurs soubresauts, des restaurations, des deux empires. Et donc, nous avons un système effectivement dit républicain laïque, qui a consisté véritablement à la fois à saper l'autorité effectivement monarchique ancienne dans un premier temps, en instaurant un système politique et la République, puis en retirant décennie après décennie des prérogatives de l'Église sur le plan scolaire, sur le plan de la conscience donc du peuple, sur le plan de la morale et de la référence ultime en termes de morale et d'éthique au-dessus des principes juridiques. Et au fur et à mesure, effectivement, jusqu'à mai 68, jusqu'à aujourd'hui, on constate que la République a fait, à travers ses élites politiques, journalistiques et autres, a fait un véritable travail de sape de l'Église. Et en tant que musulmans, nous devrions plutôt être effectivement solidaires de l'Église française, et en tout cas des personnalités catholiques qui essaient de restaurer un retour à la foi chrétienne, parce qu'en tant que musulmans, nous nous sentons proches d'eux. Beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Nous vénérons effectivement Marie, mère de Jésus. Nous considérons Jésus comme un des cinq grands prophètes envoyés donc par Dieu, en tout cas qui est une personnalité extrêmement importante dans la tradition musulmane, au point où on considère qu'à la fin des temps, il reviendra pour faire régner la justice et la paix et mettre fin à ce désordre incroyable que nous sommes en train de vivre en ces temps. Et donc, la République, effectivement, a un problème avec les questions religieuses. La laïcité était censée apporter, en tout cas la laïcité originelle, était censée apporter un équilibre et permettre, dans le cadre républicain, des espaces d'expression aux différentes religions. Il semblerait qu'en vérité, on assiste depuis 1905 jusqu'à aujourd'hui à la mise en place de toutes les formes de subversion possibles et toutes les forces
de subversion possible quant à la question de la religion. Et aujourd'hui, l'Église, en tout cas les religions, sont loin d'être un danger pour la République, bien au contraire. Pourtant, on considère que il est naturel de blasphémer, par exemple, les grands personnages de la religion sous prétexte de liberté d'expression, sans tenir compte effectivement des sentiments et du but de la blessure profonde que peuvent ressentir les catholiques, les musulmans ou l'autre sur les attaques que peuvent subir les grandes figures des religions. Et aujourd'hui, quand on écoute Peillon, on a effectivement de quoi s'inquiéter parce que nous avons véritablement affaire à un croisé de la laïcité qui considère, comme il le dit lui-même et il l'écrit, il ne le cache pas, que la révolution n'est pas terminée et qu'après avoir vaincu sur le plan politique et réussi à installer un ordre républicain sur le plan politique et démocratique, ils considèrent que ça ne suffit pas, ils en veulent toujours plus, et après donc ils viennent faire des leçons de tolérance en dénonçant l'intégrisme des autres, alors que ce sont des intégristes intolérants mais d'un niveau incroyable, puisqu'ils vont jusqu'à dire qu'aujourd'hui il faut arracher les enfants et les gens à la conscience ou en tout cas au déterminisme familial, et donc de faire des enfants qui viennent à l'école les porteurs d'une nouvelle religion, qui serait une religion qu'il faudrait fabriquer, qui a besoin de sa liturgie, qui a besoin de ses prophètes, et qui a besoin de s'habiller. De toute façon, la République ne fait que ça depuis le début. Elle ne fait que récupérer finalement les fondamentaux de la religion chrétienne, qu'elle laïcise à chaque fois. Et aujourd'hui, quand il dit que le combat n'est pas terminé, il reconnaît par là que la République, finalement, a été véritablement une offensive laïciste contre les traditions et la religion, pour la dénaturer intégralement, lui retirer toute capacité d'influence dans la société, quitte à le faire par la violence. C'est-à-dire que c'est même pas jouer à égalité et dire, sur le plan de la conscience et de la morale, pourquoi pas, les philosophes peuvent apporter leur pierre et les hommes de l'Église aussi. Et finalement, le peuple choisira à qui il porte sa conscience et à qui il a envie de se confesser, ou en tout cas, où il va chercher ses repères et son système normatif sur le plan de la morale. Non, il s'agit ici d'une offensive véritable, en permettant donc à la fois de retirer toute possibilité d'influence de l'Église sur la société française, et au-delà de ça, de la dénigrer en sous prétexte de la liberté d'expression, et jusqu'à dire vos enfants, enfin les enfants n'appartiennent pas aux parents, sous-entendu que, ce qu'il dit lui-même, les arracher de terminus familial, c'est-à-dire les mettre à l'école pour leur enseigner autre chose, quitte à ce qu'on leur enseigne qu'ils ne sont même pas des garçons et des filles, qu'ils apprendront à choisir plus tard. Donc, voilà, et moi j'ai toujours essayé d'échapper à la République sur ce plan-là, et j'invite effectivement à avoir des vraies réflexions sur ce sujet, comment nos enfants pourraient échapper aux influences volontaristes très négatives de ces républicains prétendus humanistes qui, en vérité, veulent nous déshumaniser. Alors, il y a Yasmine qui nous demande si toi, tu es favorable à la création d'écoles privées musulmanes. Je suis favorable à la création de structures d'éducation, de socialisation culturelle qui soient œcuméniques. C'est-à-dire qu'une école, qu'est-ce que c'est ? C'est un lieu de transmission du savoir. Or, nous savons aujourd'hui que l'école ne joue plus ce rôle-là. Donc moi, personnellement, mon rêve aurait été que les forces vives de la nation française, à savoir effectivement les communautés, les Français récents que pourraient représenter les musulmans, mais aussi les Français plus anciens qui sont porteurs d'une mémoire et d'un héritage classique français, notamment chez les cathotradis, mais pas seulement. Il y a des amoureux des belles lettres qui ne sont pas nécessairement catholiques, mais qui considèrent que l'enseignement du français, de la littérature française, de la poésie, d'un savoir-être français, etc., qui ne sont pas nécessairement des religieux. Je pense qu'avec toutes ces forces vives de la nation française, nous pourrions envisager demain de créer des structures communes, œcuméniques, où... Il y a eu un coupage là, je vois qu'il n'y a personne dans la salle des machines, il y a un coupage là à l'antenne en direct, on attend que quelqu'un se repositionne en salle des machines, et puis voilà, vous pouvez le dire sur le chat, parce que apparemment on lit le chat, hein, mais il n'y a plus rien, voilà. Donc il y a eu un coupage, effectivement, c'était un peu normal, il restait une heure et demie quasiment en ligne, ça a coupé.
Je ne sais pas je si sais on pas m'entend, je ne sais pas, pas si, si, j'imagine que vous m'entendez. Voilà, te pas être stressé ce soir, non pas du tout, non, je suis pas stressé. Non, vous vous avez pas mal trollé le chat parce que vous me reprochez de pas lire les questions, mais il y a très peu de questions hein, finalement. Il y a plus du trollage qu'autre chose. Donc voilà, j'ai lu les questions qui méritaient d'être lues. Alors entre ceux qui répètent 100 fois la même question, à la fin on n'a même plus envie de la poser. Et puis voilà, les questions aussi hein, un peu intéressantes, puisque là vous êtes plus acharné entre vous. Alors j'ai eu quelqu'un qui a dit oui c'est parce qu'il n'y a pas assez d'interactivité. Ah c'est quand même abusé. Hein, s'il y a des assassins, c'est bah, oui, mais parce qu'il y a des pistolets. Ah oui, il faut retirer les pistolets, il n'y aura plus d'assassins. Non, non, on va pas retirer. C'est comme a dit Stéphane à un moment donné, c'est aussi à vous de vous modérer, de vous auto-modérer, mettre des questions intéressantes. Je suis désolé, si là il y avait très peu de questions intéressantes, c'est normal que je peux pas inventer les questions des gens si les questions ne sont pas au point, quoi. Je suis désolé. Donc il y avait des questions, voilà, j'ai essayé de poser des questions qui sortaient un peu du lot, mais il y avait plein de questions qui n'étaient pas intéressantes et plein de voilà, bon, on s'en fout un peu de ce qu'ils pensent, oui, de un tel, de Tariq Ramadan, du Front National. Bon, mais ça, c'est des, hein, c'est presque du niveau voici. C'est pas essentiel dans le débat. D'ailleurs, il reviendra puisqu'on va le réinviter et puis à ce moment-là, on aura tout le loisir de rentrer en cœur. Voilà, dans toutes les questions qui vous intéressent. Hein, qu'est-ce qu'on me dit? Pas de stress, on a la fleur de peau ce soir. Oui, voilà, peut-être, il y a des trolls du Mossad, certainement, parce qu'il y a le fameux pseudo hein, qui pose toujours des questions très, très, très bien renseignées et toujours très polémiques sur les prétendus liens entre un tel et un tel. Et ça, c'est pareil, c'est le genre de questions qu'on va pas lui poser alors qu'il est au téléphone. D'ailleurs, il va pas comprendre, je vois pas le rapport entre Cahuzac, l'homme qui a ouvert les trucs, et le fondateur de R. Et quand bien même le fondateur de R, ce serait ce même homme, est-ce que lui doit aller visionner toutes les origines et les fondations de toutes les organisations pour lesquelles il va donner des interviews? Dans ce cas, il irait nulle part, autant vous dire. Et puis il ira encore moins dans les grands médias s'il demande l'invite, parce que là, savoir qui en a à l'origine, ça c'est encore plus... encore plus impressionnant quand vous allez creuser. Alors, est-ce que manger du couscous au porc fait de nous un musulman patriote? Heisenberg, ça, voilà, bah voilà le genre de question trollage hein, que on pourrait pas lui poser quoi. Hein, voilà, le couscous au lardon. Alors, t'as pas vu que le chat reste un peu calme la journée, autant préparer les questions à l'avance, juste une proposition. Oui, bah autant préparer. Bah, si vous y a une avalanche de questions intéressantes, ça va, mais quand il y a une avalanche de trolls, d'insultes quasiment, ou bon, vous vous écharpez entre vous parce que vous n'êtes pas d'accord, mais ça occupe tout l'espace, puis il y a une question, puis il y a 10 trolls, puis une question, puis 10 trollages, évidemment, c'est impossible de voir quoi que ce soit, d'essayer de faire quelque chose. Bon. J'avais plein de questions, Albert Ali a répondu à toutes mes questions sans même que j'intervienne, c'était parfait, j'ai écouté religieusement, merci MetaTV. C'est Méo222 qui dit ça, parce que c'est vrai qu'il a posé plein de questions, on me dit oui, machin. Alors par exemple, sur le CFCM, mais il en a parlé, sur... je sais plus sur quoi aussi, pareil, bah, il en a parlé, voilà, Chalgoumi, j'ai posé, il a parlé, il a abordé un peu l'ensemble des questions. Donc voilà, peut relancer la vision du Ozon sur la remigration. Eh ben on relancera ça après la pause, hein, on va faire une pause, de toute façon on est arrivé à la moitié du temps. Donc on va faire une pause et puis on reviendra après. Alors je pense que là, on l'a perdu sur l'autoroute, Albert Ali, en tout cas on le remercie, et on le réinvitera en physique, et puis vous aurez tout le loisir de lui poser des questions, mais s'il vous plaît, des questions intéressantes, pas des trollages de conspi de base, hein, si j'ose dire, du conspirationnisme de quel niveau hein, élevons l'esprit, élevons un peu le débat, hein, un peu plus haut. En tout cas, et ben voilà, on va pas besoin de tout justifier, mais je me justifie pas, mon cher STV4, j'explique, tu vois, j'explique parce que il y a eu des. J'ai vu plusieurs fois qu'on me dit ah bah oui, etc. T'as pas posé les questions, donc j'explique, non, bah déjà, faudrait qu'il y ait des questions, et après je vais les poser. Et ben écoutez, on va se rejoindre après, on va faire une pause, et puis on revient juste après la petite pause, et puis vous posez vos questions, on refait le débat entre nous avec des vraies questions, s'il vous plaît. À vous la régie.